nous sommes 2024. Nous sommes le président Mouah. Nous sommes au Sénégal et nous sommes dans la faculté. Preuve, mais vaincra dans l'éclat. Cette manifestation des femmes en est une parfaite illustration. Fini Dieu. Digne de la Wartan qui tembou am solo. Yapna ni sax dañu renouveler engagement parce que liñuy wax tay ñom ci lañ yak. Honorable député maire de Dakar Barthélémy Diaz. Monsieur le maire des communes. Honorable député. Madame la présidente des femmes Aissatou Fall Mbacké. Chère présidente. Chers camarades, honorables invités. C'est avec un réel plaisir que nous accueillons dans ce cadre pour vos travaux qui, nous le souhaitons du fond du cœur, soit le début d'un processus qui sera couronné par l'élection de notre bien-aimé président Khalifa Ababacar Sall à la magistrature suprême en 2024. Monsieur le Président, les femmes seront à l'avant-garde de ce combat. Et ceci a été bien compris par votre jeune frère et camarade, le député maire Barthélémy Diaz, qui depuis son élection à la tête de la municipalité, ne cesse de faire honneur aux femmes. Ma nomination à la direction de cette piscine en est une illustration parfaite. Je ne peux pas finir sans lancer un appel à tous les militants pour une perpétuation de l'esprit de camaraderie et de la solidarité, pour l'atteinte de nos objectifs, mais aussi rendre un hommage à ma commune, la Médina. À travers son coordonnateur Jupiter Diop, qui n'a ménagé aucun effort dans les moments difficiles pour que Tahou reste et demeure. Merci JP. Bienvenue et excellent travail. Merci beaucoup à tout le monde. Monsieur le Président de Tahou Sénégal, honorables députés, camarades maires, camarades femmes, adultes et jeunes, camarades membres de la cellule des cadres de Tahou Sénégal, camarades membres des mouvements de soutien et des mouvements affiliés, l'honneur m'est choix de prononcer ce discours de bienvenue au nom de mes chers camarades membres de Tahou Dakar, Fanpoint et Amitié. En ma qualité de première adjointe au maire de cette commune, qui abrite aujourd'hui l'Assemblée Générale des Femmes de Tahou Sénégal, j'éprouve l'immense plaisir d'adresser les salutations les plus distinguées et chaleureuses de mes concitoyennes et concitoyens. Permettez-moi à l'entame de mon propos de saluer la générosité légendaire de mon mentor politique, M. Palassandre, qui a bien voulu me donner cette opportunité pour vous adresser ma profonde gratitude pour le choix de notre prestigieuse commune. Cette commune, Monsieur le Président, entretient une relation d'estime, de considération, mais surtout d'espoir par rapport à la levée de l'inquiétude des Sénégalaises et des Sénégalais. Une fois n'est pas coutume, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'en 2014, nous avions bénéficié de la confiance de nos concitoyens grâce au phénomène inédit de Tahawal Dakar à Khalifa Sall. Cette relation de confiance, brillamment entretenue par l'excellent maire que nous avons, est à l'origine de la dynamique permanente de massification et de consolidation de nos acquis. Cette mobilisation exceptionnelle des militants de Tahou Dakar Fanpoint Amitié en est une parfaite illustration. Mes remerciements vont à l'endroit de par la famille qui demeure la principale force politique de cette commune. Monsieur le Président, Tahou Dakar Fanpoint Amitié, c'est une grande force. C'est une force de proposition, c'est une force de défense, c'est une force de mobilisation capable de vous accompagner pour la conquête du pouvoir en 2024. Notre démarche consistera d'aller à la rencontre des femmes et des jeunes d'où ils se trouvent pour qu'ils adhèrent et incarnent l'idéal de Tahou Dakar. Je ne saurais terminer sans pour autant magnifier cette excellente initiative portée par les femmes de Tahou Sénégal. Ces femmes de valeur, Monsieur le Président, qui ont été votre premier soutien dès les premières heures de combat. Ces femmes, Monsieur le Président, ont été là dans les moments de joie et de tristesse avec leur engagement et fidélité en bandoulière. C'est l'occasion pour nous de les féliciter, mais surtout les encourager à maintenir ce haut niveau qui les distingue de toutes les autres formations politiques actuelles. Chers camarades, la conquête du pouvoir est bel et bien possible
Khalifa Sall président en 2024. Chers camarades, je vous prie de bien vouloir recevoir mes remerciements pour votre aimable attention. Tay li bëggol wax ci comité d'organisation bi dañ bëggol le maire Barthélémy Diaz tok fi tay parce que dañ ko fikel kenn ci jambaram ci deggom ci fulam ci faydam muy mami nabé monsieur le maire mami nabé luñu wax lune mëna ubbi len yaatal len ubbi len yaatal len ubbi len yaatal len xam ngeen ni initiative deux semaines ñu mën ko réussir tous les départements sont là. Burki demb lañu duggé seen région batay ñew teuf fi suñu kanam duggé ñu machallah département toy ñi ngi leen di gërëm di leen sante organisation bi sante na leen seen téway seen yar seen téggu kën téggu leen ci biir hôtel bi machallah seen taxway rafet na suñu monsieur le maire ñu remercier suñu député yi fi téw ñu remercier suñu maire yi nga xamantene tay ñom ñoo japp ci bëss bi parce que nak bu ñu japp lool ci bëss bi du démé ni le maire Barthélémy Diaz ñu koy remercier diko gërëm diko sant ki nga xamantene bi ñu ko xalaaté mo ñu fital bañu dem muy le maire ma jox dox du koy gërëm diko sant ñuy gërëm suñu jammi suñu xarit le maire Pala Samb ñuy gërëm suñu maire Papa Mbeng di gërëm suñu maire Cheikh Gueye di gërëm suñu maire suñu xarit bi nga xamantene mom moy le maire de Ngor magay japp ci lool suñu allié ci Sofel ak top ak yeg yeg bi ma am ci président Khalifa Babacar Sall Seydina Issa Lay di suñu dom di suñu xarit ñu ko ci remercier di remercier le maire bi nga xamantene moy Abdaziz Pay ci taxawayam ci jappandem ci jambaram votre honorabilité. Vous avez su, avec une foi inébranlable et une dignité sans nul autre pareil, faire face et rester debout. En vérité, votre parcours inspire, votre attitude rassure. Monsieur le Président, vous êtes là, parmi nous, en ce jour historique. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes là, plus déterminé et plus fort pour servir le Sénégal. Les femmes de Dakhaw Sénégal vous disent merci et réitèrent leur engagement et leur fidélité à vos côtés. Ces femmes de référence, venues des quatre coins du pays, des 45 départements du Sénégal, ces braves Amazones continueront à porter leur haut le flambeau et à constituer votre bouclier, comme durant les périodes sombres où elles avaient fini de démontrer à la face du monde leur courage et leur détermination. Monsieur le Président, nos assises se tiennent dans un contexte politique et social très tendu. Le tableau est sombre et bien à bien des égards. Le peuple sénégalais souffre depuis plus d'une décennie. Nos compatriotes sont fatigués. Ils sont exténués par le poids des charges quotidiennes et la précarité des ménages. Qui mieux qu'une femme, épouse, mère, travailleuse, peut comprendre les difficultés que vivent les familles. Dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos communes, la pauvreté est devenue endémique. Nous vivons aujourd'hui le deuil de nos enfants disparus en mer en quête d'un monde meilleur. Nous subissons chaque jour les affres d'une politique de santé qui, au lieu de soigner et de soulager, détruit et tue. L'éducation constitue un autre mal qui s'enlise davantage dans la médiocrité. Pire, l'insécurité est devenue galopante du fait d'un État qui procède à des enlèvements, des emprisonnements et des séquestrations. Notre pays va mal. Le peuple sénégalais subit de plus en plus les conséquences des politiques néfastes du régime en place. En définitive, Monsieur le Président, nous sommes en face d'un pouvoir
autoritaire et corrompue. Tout le contraire de ce que le président feu Léopold Sédar Senghor nous a légué. Monsieur le Président, nostalgique de la gouvernance socialiste, nous le sommes au même titre que nos compatriotes et filles de justice et de liberté. C'est pourquoi nous demeurons convaincus que vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes l'homme qu'il faut pour sauver la barque et la mener à bon port. De la base au sommet de l'établissement politique, de député à maire, en passant par ministre, vous avez toujours assuré et rassuré. Vous êtes le digne héritier des pères fondateurs du socialisme sénégalais, mais aussi l'homme du consensus et du compromis politique qui a su fédérer et unifier les forces vives de l'opposition pour arriver à cette belle trouvaille que construit la coalition Yew Askanoui. Vous êtes l'incarnation de la compétence. Vous êtes l'éthique personnifiée. Nous sommes certains que vous serez l'autorité suprême qui agira en homme de devoir et en homme partisan pour la restauration d'une république au sens propre du terme. Monsieur le Président, nous n'avons qu'un seul objectif, vous élire à la magistrature suprême en 2024 et je sais que les femmes debout vont s'engager pour cela. Pour atteindre cet objectif, nous devons être unis, solidaires et capables de transcender nos intérêts personnels. Nous avons l'obligation de travailler épaule contre épaule, main dans la main, pas que seul, pas que vous seul, pour la marche essentielle vers la victoire finale. C'est ce que les femmes de Dakhaou Sénégal ont compris. C'est ce que les femmes de Dakhaou Sénégal veulent. C'est ce que les femmes de Dakhaou Sénégal feront en avant pour la rencontre avec les Sénégalais, en avant pour le Dox Mbok ngir Dakhaou yi. Monsieur le Président, suñu carte mo lay fal inshallah et nous serons toujours devant et derrière vous. Je vous remercie. Balen ma waxon nañ ko kawla dañu jëlone ben initiative parce que mënuñu né dañuy accompagner suñu président té xam ngeen né campagne électorale jigéen ñi dañ ci am solo. Solo bobu mo tax ñu jël initiative né dañuy jël carte yi tuddé ko sama carte mo lay sol diko placer dans toutes les communes du Sénégal pour que wax dëgg yalla bañ ci paré kenn ak suñu président de la République né ko ñi ñoko def ñoo lay accompagner ñoo lay pour ñoy constrain ñu fop na né ñëpp d'accord nak ci carte ba ngi ni. Donc di remercier les femmes qui initiative bi di ko rafetlu di nuyu di féliciter tous les élus présents, particulièrement les députés et les maires di len di jox sen wacc way di len di wax yeen tamit askan wi dem def len ci agu bes bi da nek atu wer ak wer le atu xewal atu tawfiq atu jamma atu ndam tamit parce que 2024 ci 2023 bi dañ koy préparer. Donc, je suis très mal placé pour parler de toi. Parce que je suis très bien. Et je suis très bien. Donc, parce que tu le mérites. Tu le mérites. Tu t'es beaucoup sacrifié. Tu t'es beaucoup donné. Et je pense aujourd'hui que la récompense doit être au bout de l'effort. Mais je suis très aussi ma tête. Nous devons nous battre aujourd'hui pour déjà deux choses. Je dis que nous avons pour que Macky Sall soit un candidat. Parce que Sénégal, aujourd'hui, Sénégal, si nous avons une élection présidentielle 2024, s'il y a une chose où tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que Macky Sall n'est pas un candidat.
Donc lolu dañu wara joxante suñu dañu wara joxante loxo pour que benn nday pour que benn baye avec la société civile, avec les forces syndicales, celles qui sont encore debout, ainsi que les forces de l'opposition pour xex lolu. Benen bi moy xex pour que injustice ñu tek Khalifa Sall di suñu mbeul, injustice bobu ñu mën ko tekki. Luma gëm wax na ko ba paré ma kay bi la ku melni Macky Sall xaruma dara ci mom, parce que nit bu bon, nit bu soxal, nit bu iñan ku yibu photo tip fo dalé ci Macky Sall mëno dem ku mëno sori ci lolu, parce que Macky Sall est l'incarnation vivante de la méchanceté, de la bêtise d'État et de l'idiotie caractérisée. Parce que il a fallu que Macky Sall n'ait que président du Sénégal pour nous dire président Bouy Tam a été candidat à l'époque élection et nous avons éliminé ces élection. Donc nous avons dit amnesty pour Macky Sall de l'Ekiti ou concerné ou nous, nous avons dit l'air. Je suis dit que ça coûte député. Mais tu dis qu'il dit Ababakar Mbaye, Abba, notre jeune frère, de te féliciter. Parce que tu d'abord tout Khalifa Sall, mon loyal le Bahre, on est que membre du bureau de l'Assemblée nationale. Pour qu'on puisse initier une proposition de loi pour modifier la loi électorale. Donc nous m'en voici. Parce que nous sommes les frères, ton enfant, sans le Tchikasobi, il y a ce casier, mais il y a un monde. Moulay dougla ci ngeug bi ko xalel moy gem lu mel nonou wante un responsable politique avisé et averti ne croira pas en des paniers de cette nature. Donc chers députés, chers camarades, il nous reste à peine 12 mois pour porter ce combat et porter ce débat à l'Assemblée nationale, et je pense que les masques vont tomber parce que on saura exactement fan la ñep fait ou ci question bobu, parce que la vérité c'est que celui qui vous dit qu'il va vous donner une amnestie, il cherche à gagner du temps. C'est ça la vérité. Parce que Koku, aujourd'hui, il veut continuer à semer le doute dans la tête des Sénégalais, parce que Khamenei que mon qu'est-ce mon rôle pour que tu élections. Quand tu fais un quatrième fille, comment savoir est-ce que Khalifa Sall sera candidat à 100% oui ou non, parce que quatrième qui souligne. Quel ne m'ont pas dit Karimat, quel ne m'ont pas dit Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko n'est pas avec Tankam comme ce qu'ils ont fait avec Khalifa Sall. C'est ça la vérité. Moi, je suis dit qu'on doit se mettre au travail, nous devons avoir une vision, nous devons avoir un discours, nous devons avoir une posture, et nous devons surtout, surtout encore avoir en bandoulière des convictions. C'est très important. Moi, je suis dit qu'on doit le Sénégal est le Nord. Et nous avons dit que Khalifa Sall nous avons dit que 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 nous avons dit Nous avons dit que nous avons fait des détails. Yéné le bëgg la yalla ko yalla motti té inshallah day né ma do rek ci nuyu bu baax digeen ñi nga xamné ñoo waral bis bi. Toutes les femmes de Taxaw Sénégal, des départements, des régions et de Dakar, ñi soké li sos ko ñu fi muy toga yu yene ak pass pass ngir li fi ñu bëgg dem, ma di nuyu ku nekk ci ñoom, di leen gërëm, di leen sant. Su ma jógee ci jigéen ñi, ma nuyu
responsables qui nous ramènent de nous guider à une organisation, à un mouvement. Tenez que tu t'as eu. Je dis que tu m'as dit, pas Gaï veut me parler, alors toi tu dis pas. C'est des amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je vais faire une barre de détail. De nous, mouvement est. Nous, organismes, nous avons des structures particulières qui ont été créées. Nous avons créé une plateforme. Nous avons créé une plateforme. Vraiment, c'est très bien. Mais je suis maire, je suis député, je suis tous les conseils. En tout cas, d'aller dire de faire rassurer, de faire réconforter. Parce que qui peut pouvoir faire Bravo à vous. Vraiment, Je suis le directeur de la piscine. Le député maire de Dakar. Parce que Barthélémy, je dis toujours, ce n'est pas un espoir, c'est une valeur sûre. Parce qu'il y a une quête barre. Le gars, il y a un grand autre. Tahaou est né dans la douleur. Tahaou est né dans l'épreuve. Et Tahaou est Tahaou Mofaware. Parce que nous avons payé le plus fort pour exister. Nous avons payé le plus un lourd tribut pour être là. Pour Nekitien, pour Mapoltien. De même façon. Nous avons une police. Nous avons un fourgon. Nous avons aussi un unitaire
dafa may déggé ba nga xamné mënu ma wax ci mom ni yaa ngi jeune socialiste xam nañu sama digënté Paala Samb Paala lo aw sama tour Paa rek lay wax man ak way juróom la woon Paala a été le plus jeune trésorier du mouvement des jeunes socialistes du Sénégal. Nous terre Rafael. Paala a un mot droit de l'Afrique. Je me demande de faire tout le temps. Parce que je ne suis pas objectif. Ah, son nom est là. Moi, je suis un petit peu de l'Afrique. Je parce que dañu djublu lo xamni dañu gëm ni dañu égg inshallah fi ñu jëm dañuy égg inshallah moi je n'en ai aucun doute awma ci xel ñaar tiitu ma ci dara def ma leer nañu ni dañuy égg li yoon parce que fi ñu jëm dama wax sank ni ñi Barthélémy Diaz, biñ koy tej kéro biñu joxé sama verdu bu procès dem kaf donc il paye un lourd tribut pour ça ak yeen ñepp na ku nekk ci yeen rek am na lu fu wa donc on mérite d'avoir ce que nous voulons mais wax na ko légui du wax jëf la gis nga nag taxawu Sénégal yéen a fi gën mais da ngeen bari sikk de tey du gisu wax loolu mais nañu seetaat suñu bokk parce que suñ fi mënoon jiitu woon fi tey ñuy ñëw di naataat leet suñu bopp ak suñu toogaay war nañu xoolaat suñu bopp man nag militant laa su may waxtaan damay wax dëgg rek ak sama xalaat te loolu laay xaar ci yéen ma wax ni ñi fi toog tey ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg ne dañuy egg pourquoi Barthe wax na ko président Macky Sall wax na li mu wax am na ci droit vous savez moi je suis quelqu'un de très lucide wax na li mu wax nit ki du nu waxee na mu jëfe rek la nit du la mu wax la mu jëfe rek la moo ko wax mais li mu fàttali aussi mooy voix yi war am ci loolu lu baax la lu bari vous savez pourquoi cette proposition de loi est nécessaire du problème loi d'amnistie cette proposition de loi règle définitivement la menace qui pèse sur chaque leader politique dans ce pays parce qu'aujourd'hui le risque qu'il y a mooy que ni président Macky Sall ku ko neex du bokk ci élection te doo dem kaso xam nga léegi doo dem kaso bu leen defe ni dañuy tëj nit ñi kaso du tëj kenn kaso da lay condamné à une peine assortie de sursis selon les infractions et tu tombes sous le coup de L29 et 32 soxlawul tëj kenn kaso donc le vrai combat mooy fexe ba menace boobu épée de Damoclès boobu nga xam ne mi ngi ci kaw bépp responsable politique bu àndul ak Macky Sall ñu dindi et de ce point de vue daañ ko dox daañ ko wax pour sottal loolu incha allah même benno boo ko yaakaar dinaa dem wax ak ñoom parce que ñoom it xam nga jubowuñu armée mexicaine la de Macky Sall ni ñu ko wóori ni ñu bari ci ñoom ànd ñoom moom ñu ngi rafetlu arrivé le député maire Omar Cissé de Rufi jàmbaaru xare la gaynéb xare la je crois que moom ak ñoom abbaa ñu ngi bëgg rey gaañi assemblée donc ma dellu si pour wax ne cette disposition du code électoral elle est antidémocratique mais surtout elle est liberticide dindi ko œuvre de salut public la parce que ça met à l'abri tous les responsables politiques yu àndul ak benn pouvoir muy makkeeg muy keneen ku ñëw mën na doon Macky tey
mën na doon ma paate ëllëg. Donc il faut que loolu dëj. Ça n'a rien à voir avec l'amnistie. L'amnistie est ponctuelle. Cette modification de la loi électorale, elle est permanente. Elle règle définitivement les problèmes. Donc, c'est le vrai combat. Mais quel est le combat de la politique ? Il y a un cordon. 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 Loolu moo am solo. Amnistie Macky Sall nag c'est amnistie Macky Sall qui l'a annoncé, lu mu ci def moo xam. Donc loolu mooy problème bi. Mais bala ñoo egg foofu il faut ñu defarwaat suñu biir, te jigéen ñi wax nañu. Cette élection nous pouvons la gagner. Cette élection nous devons la gagner. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les mieux préparés à assumer cette fonction. Xam nañ fi ñu jëm, miin nañ ko, ñëñu ci jàngal wan nañu, mais surtout wax nga dëgg ñeme nañ. Aujourd'hui, doxalinu taxaw, gis ngeen ko. On est en train de manière méthodique, sans tchao, ñun nak suñ tchao bari wol, xeyna il faut que ñu jang xumbal. Mais de manière méthodique, nous sommes en train de co-construire une offre politique pour le peuple sénégalais avec lui. Li ñu gëm mooy defaraat réew mi, defaraat nit ñi la ak jikko ci. Il faut qu'on réconcilie les Sénégalais à leur nation et à leur et à l'être. Il faut que nous réconcilions les pour que nous ni gemat esprit ou nation, gemat état, gemat institution. Parce qu'aujourd'hui, des gens gouvernent le nerf, le nerf d'être. Mais parce que gemoni, sauf à dire le savoir parce que dans un coup de c'est ça le vrai drame. De mon rôle du Barthélemy de ses programmes, Manico, tu as été bien inspiré en priorisant l'humain. Disque de vous, il y a des gens qui ont été inquiétés. Sous institution US, nous n'y souffrons pas, nous n'y sommes pas. C'est la base de développement de ce pays. Nous n'y souffrons pas, nous n'y sommes pas. Disque de soo ko régler nga Sénégal. Parce que bu nekk ci moom, lu nekk ci loolu mooy suuxa réew mi. Munoo defar réew mi te defaroo nit ñi. Munoo defar réew mi te ndox mi régler woo ko. Pas ndox mu ñuy naan mais ndox mu nit ñi di liggéeyee. Le Sénégal présente cette aberration qu'il est le seul pays sahélien qui permet qui perd de l'eau ou jette de l'eau dans la mer. Da nga am doyul li nga am asiyam ngir ko baye mu dem. Que ce soit dex gi tour ci geej gi, que ce soit eau usée yi tour ci geej gi. Sa mbay doyul dundaloo say nit, nit ñi naan ñu ko nit ñi sangoo yi nga naan doo toppatoo ndox. Suuf si nag gis ngeen la muy jëriñ léegi. Donc, ñett ñi autour de ce triptyque-là, on construit ce pays, on le reconstruit. Institution baax na, lépp baax na. Mais gis nga soo defarul nit, même tali bi nga defar, wala école, wala sax sa douche kër, su fekkee nit ki xamul nan lay demee douche du yàgg. Defaraat nit ñi, tabaxaat leen, xelal leen. Montali leen, matal leen, jëriñ leen, liggéeyal leen, boole leen ci lépp, loolu mooy priorité. Donc ñun loolu la ñu gëm. Nous sommes des socialistes. Nous sommes pour le développement de l'homme. Nous sommes pour un Sénégal où l'homme est au début et à la fin du développement. Toute politique ne vise que cela. Té nag xam nga li jot, suñu aye jot de, ñun ñi ñoo moom moo mel li ñoom. Le monde vit dans notre niveau de vie.
Non, nous sommes. Et on a appris de nos erreurs. On a appris de nos erreurs. C'est pourquoi Tahaou lance un appel vibrant à toutes les forces de gauche, épris de justice, d'égalité et d'équité. Nous avons dit que assise nationale de l'UDO. À une conclusion de l'UDO, nous en serons fidèles. Mais d'accord, réactualiser. Parce que l'OLO est le roi. Mais assise nationale, c'est un mot de l'UDO. D'accord, à une conclusion, c'est actuel. Le diagnostic qui avait été fait à l'époque reste actuel. Les solutions devront être adaptées. Au bout moi, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que candidat. Et je veux que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit candidat. Vous avez dit que vous avez dit que Omar Nini, les tournées commencent le 14, Inch'Allah. Nous allons aller dans toutes les communes du Sénégal. Nous avons une tournée d'Aïwouté. Parce que si nous tournée, nous pouvons voir ce que nous faisons, ce que nous faisons. Demain, le paysan de Madahoun ou de Salimata, so ko laaje ci dundinam nek nam ci salimata mo lo ko gëna xam suñu tourné dañuy dem ci nit ñi wax ñom tataal seen xalaat xam seen bëgg bëgg bo lé suñu yéné tabax un vrai projet. On va faire de la co-construction parce que li ñi gëm moy ce développement là dans nos états. Il sera local ou il ne sera pas. C'est-à-dire, si vous voulez faire un réunion, vous voulez faire un souf. Vous voulez faire un souf. Parce que vous voulez faire un souf. Mais même si vous voulez faire un souf, vous voulez faire un souf. Vous voulez faire une école ou un dispensaire. Vous voulez faire un souf. Vous voulez faire un souf. Vous voulez faire un matériau. Vous voulez faire un souf. Vous voulez faire un souf moins cher. Donc, en termes d'avantages comparatifs, vous avez une ressource, vous avez une 1 milliard de gouvernements, vous avez une ressource, 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 vous avez une ressource. Il faut déconcentrer l'administration dans ce pays. Si vous voulez programme une personne à Bagiti, liguée à l'université, mais je ne sais pas si vous êtes là. 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 Ça donne une aigle, Inch'Allah. Magnifique.